Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, ce soir, on revient encore dans cette deuxième vidéo concernant les événements du 3 novembre 2023 qui s'est déroulé dans la capitale guinéenne à ce qui concerne l'évasion de capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le colonel Moussa Kigoro Camara et le colonel Blaise Goumou. La famille, il y a des choses que beaucoup de personnes ignorent. Parce que personne ne peut imaginer qu'un commando peut se déplacer, aller jusqu'en ville. Les gens qui connaissent bien la capitale guinéenne, surtout la ville de Kaloum. La maison centrale se trouve à moins de 2 km, à moins de même 1 km du palais Mohamed V, où se trouve l'actuel président de la transition guinéenne. Il n'est pas croyable que des individus peuvent aller à la maison centrale faire évader des prisonniers. L'emplacement de la maison centrale, il y a plusieurs checkpoints de plusieurs corps d'élite qui sont pointés à plusieurs endroits. Mais ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est une révélation faite par un blogueur guinéen que je respecte beaucoup, qui donne des informations très très pertinentes et à 99% de ces révélations se sont révélées vraies. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer la révélation qu'il va faire dans sa vidéo concernant ce qui se cache derrière cette évasion. Ce que beaucoup de personnes ignorent, Vanipivi, c'est ce monsieur qui a constitué un commando qui sont allés faire évader son père. Son père, c'est le colonel Claude Pivi. Et Vanipivi est l'un de ses fils. Vanipivi, c'est un ancien militaire. Si je vous dis ancien, il était militaire et qui s'est fait radier de l'armée par le ministre Kabylé au temps du président Alpha Condé. Et selon les informations révélées dans la vidéo de notre frère King Haji, c'est que Vanipivi aurait participé au coup d'État du 5 septembre mené par le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qui donne cette information très très pertinente. Selon toujours les informations révélées par notre frère, le colonel Mamadi Doumbouya et Vanipivi, ces deux-là se connaissent très très bien. Vanipivi a participé au coup d'État du 5 septembre et aurait signé des accords avec le colonel Mamadi Doumbouya, que selon les informations, ce dernier n'a pas respecté. Je vous mets la vidéo, vous allez écouter, il y a plein, plein
d'informations pertinentes et des révélations faites par King Haji. Frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère King Haji 224 Toutoufo. C'est ici et nulle part ailleurs. Verni Pivi, Claude Pivi, Mamadi Doumbouya, toute la vérité, rien que la vérité, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo maintenant. Mais avant tout, depuis hier soir, il y a une vidéo qui circule, vidéo comme pour dire, montrer à la face du monde que les assaillants ont été maîtrisés. Cette vidéo qui a été virale, publiée par le camp du CNRD pour faire peur aux autres en cachant la vérité, dans cette vidéo, vous aurez vu que il n'y avait que trois corps des assaillants. Trois corps des assaillants par terre. Oui. Mais la vérité est cachée. Oui. Nous allons partir pas à pas. Il s'appelle Diawara. Il s'appelle Diawara. C'est l'un des victimes côté force spéciale. Je vous apprends que le côté force spéciale, il y a plus d'une dizaine de morts. Je vous apprends. Je vous apprends. Côté force spéciale, il y a plus de 10 morts. Donc ce message est adressé à tous les parents proches qui ont leur famille, leurs frères, leurs fils, leurs neveux, au sein de l'unité des forces spéciales, quand on va vous dire que votre frère est occupé, que votre fils est occupé, qu'il n'a pas le temps, que les téléphones sont retirés, sachez qu'il n'est plus de ce monde. Si à partir d'hier, vous n'êtes plus en contact avec votre frère qui fait partie des forces spéciales, sachez-le qu'il y a eu réellement un bain de sang énorme. Bain de sang énorme. Plus d'une dizaine des éléments de force spéciale tués par quelques groupes de vermis pivis. Alors, mes frères et sœurs guinéens et africains, la totale dans tout ça. Et ce qui va vous donner des larmes, parce que je vais vous demander de préparer vos mouchoirs dans cette vidéo, c'est un pacte brisé par quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur et qui a trahi ceux qui l'ont aidé. Oui, il y avait eu un pacte. Il y a eu un pacte. Et Mamadi a trahi le pacte. Mamadi a trahi le pacte. Mais qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre cette vidéo qui circule que je ne vais pas me permettre de mettre ça sous ma page. Depuis hier, on voit cette vidéo. Les corps de ces jeunes qui se sont sacrifiés pour sauver l'honneur, je dis bien, pour sauver l'honneur de leur mentor. C'est qui Claude Pivi? Est-ce que vous savez c'est qui Claude Pivi? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est qui Copland? C'est qui Claude Pivi dans l'armée guinéenne? Si vous vous rappelez, suivez la vidéo. C'est cette vidéo que le CNRD a fait sortir hier. Moi, j'avais cette vidéo depuis la journée. Hier. Wallahi billahi, j'avais cette vidéo depuis la journée. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Bluetooth.
pas envoyer la vidéo en privé à quelqu'un, s'il vous plaît. Une minute. Je vous mets le Bluetooth. C'est le corps là qu'on prétend dire que c'est Pivi. Le corps là, lui là. Je vous retourne. C'est celui-là que certains prétendent que c'est Pivi. Lui là. C'est pas Pivi. Ce n'est même pas son fils. Vous ne voyez pas, je ne peux pas approcher de plus. Je crois que vous voyez là. Plus, madame. Tu connais Kwani? Hé, hey, toi là, tu connais Kwani? Négatif. Toi qui as des soutiens, les éléments des soutiens ne connaissent pas Kwani. Ah, Ababé, on est Ababé. Hé, 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 Nous sommes avec le colonel. Est-ce que vous avez compris la partie? Nous sommes avec le colonel. Ça veut dire il parle du téléphone comme ça. Nous sommes avec le colonel. Je retourne la partie. Nous sommes avec le colonel. Nous sommes avec le colonel.
Ceux qui sont couchés là, Pivi n'est pas là, son fils n'est pas là. Restez patient, vous allez avoir les détails plus précis, plus clairs. Voilà. Tout à l'heure. Restez patient. Je ne peux pas faire sortir la partie là. Voilà. Ça, c'est le groupe de Vernis Pivi qui sont partis dans la haute banlieue de Conakry, Samatra. C'est-à-dire, quand ils ont pris les dadis, ils se sont dispersés. Dispersés, il y a eu la traque. Arrivés dans ce quartier reculé de Conakry, des échanges de tirs vont commencer entre les éléments de force de défense et de sécurité guinéenne et autres éléments de force de sécurité de défense guinéenne, la majorité radiée des effectifs de l'armée. Est-ce que vous comprenez? Tous ces enfants-là, que vous avez vu les corps par terre, se sont sacrifiés, sont partis prêts, comme je vous ai dit tantôt, à une mission suicide pour sauver l'honneur de leur mentor. Il y a même un parmi eux qui va avoir une longueur d'avance. Voyez-vous le dispositif qui est là, le nombre d'agents de sécurité, de militaires qui se trouvent autour de ces corps. Eux, ils ne sont que 3 personnes par terre. Ils parlent la langue soussou. J'ai vu mes parents soussou tout à l'heure dire que oui, pourquoi ils parlent soussou, ils veulent mélanger soussou et forestier. Ça n'a rien à voir. Tout le monde sait que soussou, c'est la langue que la majorité des Guinéens parlent. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on parle soussou, que les militaires parlent soussou. Ça n'a rien à voir. Il ne faut même pas que vous n'ayez pas de soussou. Donc, en soussou, il dit quoi? Il dit, il montre un par terre, il dit que c'est lui qui nous a trop fatigués ici. L'autre va répliquer pour dire, ah, sa famille lui a perdu. Maintenant, celui qui était couché loin, lui, selon l'explication d'un témoin qui est actuellement sous les réseaux, lui avait une longueur d'avance de plus de 500 mètres. Mais il n'est pas parti. Il a préféré s'arrêter, attendre l'arrivée des forces de défense et de sécurité. À savoir, il était là, il s'est réellement sacrifié pour laisser la voie pour Claude Pivi et son fils, pour qu'eux puissent s'échapper. Parce que, en réalité, dans cette histoire d'évasion, il y a une conclusion que vous ne vous faites pas. L'objectif réel, c'était quoi? C'est ce que je viens vous dire dans cette vidéo. L'objectif réel était de faire sortir Claude Pivi Coplan. Parce que le pacte a été brisé par colonel Mamadi Doumbouya. Maintenant, la révélation, à savoir, oui, c'est incroyable, mais vrai. Vernis Pivi, Mamadi Doumbouya se connaissent. Je répète, Vernis Pivi, fils de Claude Pivi et colonel Mamadi Doumbouya se connaissent et ce sont des amis. Claude Pivi, je dis bien, Claude Pivi et Mamadi Doumbouya se connaissent. Le coup d'état du 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya avait besoin des hommes forts mystiquement. Comme Claude Pivi ne pouvant pas trahir ou participer
à faire tomber Alpha Condé, son fils va partir. Je répète, Verny Pivi, un des acteurs clés pour attraper l'ancien président Alpha Condé, jour de coup d'État au palais Sékou Touré. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Verny Pivi, avec tous les autres éléments des forces spéciales, vont lancer l'assaut au palais. Un commando. Pourquoi Mamadi Jordan Doumbouya ne va plus dormir? Parce qu'il connaît Verny Pivi. Il connaît qui est Verny Pivi. Il connaît combien de fois Verny Pivi, c'est un commando. Formé, digne héritier de son fils, de son père plutôt. Digne héritier de son père. Digne héritier de son père. Maintenant, le 5 septembre, Alpha va être arrêté et remis dans la main de parrain, comme on connaît la suite, pour ne pas éveiller les soupçons. Parce que Verny Pivi était radié de l'armée guinéenne et connu qu'il était le fils de Claude Pivi, il va disparaître aussitôt l'opération terminée. Il va disparaître et le père et l'homme fort du moment vont faire un pacte. Ce pacte même que le président Alpha Condé a fait avec Moussa Dadis Camara pour laisser ces anciens éléments en paix, comme les Moussa Kiboro, comme les Claude Pivi. Ce même pacte, Doumbouya va dire d'accord, il n'y a pas de problème. Koplan va rester en arrière, ne se mêle de rien. Alors, la question que vous allez vous poser, est-ce que le coup d'État a été fait? Oui. Où était Pivi? Pourquoi Pivi n'a pas réagi? L'on sait tous que Pivi est un élément clé de l'armée guinéenne. Et que Toumba même a dit à la barre qu'à l'époque, oui, qu'il était plus renforcé que tous. Et des éléments organisent un coup d'État. On n'entend pas Claude Pivi. Alors je vous donne l'exclusivité, l'info. Pourquoi Verny Pivi a osé aller attaquer la maison centrale? Parce que il est l'un des acteurs du coup d'État contre Alpha Condé. C'est ça l'exclu. Les petits microbes du CNRD, vous ne pouvez pas empêcher la vérité de jaillir. Je suis bien préparé à ça. Comme votre parrain est préparé à gérer son pouvoir, on est aussi préparé à lui barrer la route. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc, le pacte est fait. Mamadi va promettre que Pivi va avoir une place. C'est-à-dire, il va avoir une place, il sera en paix. Vous connaissez tous les forestiers dans notre pays. Tous les Guinéens connaissent les forestiers. Quand vous vous engagez avec eux, jamais de la vie, ils vont vous trahir. Les forestiers, ils vont jamais vous trahir. Ce sont des hommes d'honneur. Ils sont prêts à tout pour leur honneur. Ils peuvent se tuer pour leur honneur. Quand ils voient que leur honneur est souillé, ils sont prêts à se tuer. C'est pourquoi ils se soutiennent entre eux. Ils sont prêts à tout pour sauver leurs parents. Vous comprenez? Verny participe au coup d'État pour aider Alpha, pour aider Mamadi Doumbouya à renverser Alpha Condé. Mamadi Doumbouya renverse Alpha Condé. Il s'installe dans son fauteuil. Ok.
Bibi ne gagne pas de poste. Son fils ne gagne rien. Mais pour éteindre, éliminer, étouffer complètement Bibi et les éléments de la forêt, Doumbouya organise le procès. On dit que oui, le procès du 28 septembre, on a tous dit que nous souhaitons qu'il y ait procès. Mais il pouvait organiser les élections, qu'un président civil, hein, lui vient organiser le procès. Aussi simple que ça. Donc, le pacte s'est passé entre lui et ses gens, ses amis. Il trahit, il n'honore pas son engagement vis-à-vis d'eux. Et encore plus loin, il arrête Claude Bibi pour le mettre en prison. Est-ce que vous savez comment Claude Bibi est venu? On a tous vu que Claude Bibi est venu facilement se présenter. Parce que à la base, ils ont tous été roulés dans la farine. On a dit à Dadis, viens, tu seras dans un hôtel, résident surveillé, tu vas venir participer, oui, au débat, et retourner là. Claude Bibi, on lui a dit quoi? Viens, ton heure est arrivée, oui, on va régler les choses, ça va juste être des formalités, et puis c'est tout. Jour après jour, avant cela, je vais prévenir mes frères de la forêt qui vont me prendre pour leur ennemi. C'est des injures, qui aujourd'hui me donnent raison. Ils ne vont pas réagir. Semaine après semaine, l'on va se rendre compte que le procès était organisé et organisé pour étouffer, éteindre les élites, principalement de la forêt. À l'occurrence, capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Bibi Coplan, ainsi de suite. Alors, si le parrain, je dis bien, le colosse, le lion noir, l'homme du 5 septembre, celui qui a osé aller affronter, comme il l'a dit, la mort, était réellement parmi les éléments qui ont lancer l'assaut, même si c'est lui le commanditaire, le commandant ne part pas sur le terrain, l'a dit, le minimum serait, en tant que militaire, homme d'honneur, homme du rang, de respecter son engagement donné militairement. Militairement. Le minimum, c'était ça. Posez-vous la question. Pourquoi Verni Bibi n'a pas été arrêté? Verni Bibi, pourquoi il n'a pas été arrêté? Posez-vous cette question. Il a pu sortir de la ville, parti, ni vu ni connu. Pourquoi? Parce que tous les éléments des forces spéciales savent ce qui Verni Bibi. Savent ce qui Verni Bibi. Savent ce qui Claude Bibi. Quand Claude Bibi et son fils vous contournent cette maison, il ne faut plus les chercher. Quand ces deux-là, le père et le fils, contournent cette maison, il ne faut plus les chercher. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus, il est rentré dans l'enceinte de la maison centrale. Il a extirpé son père, extirpé les amis de son père. Ils sont sortis, partis. Ils ont dépassé quoi? La base la plus armée en République de Guinée aujourd'hui, la base des forces spéciales, la base dirigée par l'Alfa Romeo, oui, Sangaré. Ils ont dépassé l'horizon. Les forces spéciales de l'horizon n'ont pas réagi. Posez-vous cette question. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent c'est qui Verni Bibi. Aujourd'hui, ceux qui sont à la recherche de Verni Bibi, en réalité, ce sont des patrouilles mixtes qui ne connaissent pas ce qui réellement Verni Bibi. On demande seulement, dès qu'on les localise, les éléments des forces spéciales vont partir. Mais
Chacun d'entre eux a connaissance qui est Bernie Pivi et qui est Claude Pivi et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Est-ce que vous écoutez quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, son père, qui a trahi l'un de ses meilleurs alliés, l'un de ses meilleurs amis, son commandant, les opérations Ali Camara, pourquoi il ne va pas trahir un Vernie Pivi? Pourquoi il ne va pas trahir un Claude Pivi? C'est la moindre des choses pour lui. Alors le parrain, à toi seul de changer la braquette, à toi seul de changer cette braquette. Parce que aujourd'hui, l'auto qui se resserre autour, toi seul connais le danger parce que tu sais de quoi ces deux-là sont capables. 48 heures que Vernie Pivi et son père sont dans la nature, dans un état où les militaires sont armés jusqu'aux dents, avec toute la dernière technologie du moment. Waouh! Avec toute la dernière technologie du moment. Waouh! Alors, la vérité, c'est ça. Qu'est-ce qui a poussé Vernie Pivi d'abord à lancer un avertissement verbal pour dire que je vais venir libérer mon père? Voici la raison. Voici la raison. Et pourquoi les gens n'ont-ils pas réagi à temps? Voici la raison. Parce qu'ils savent qui est Vernie Pivi. Parce que dans un état où on entend qu'une personne menace d'aller faire du désordre à l'autorité publique, l'on prend directement les mesures nécessaires pour appréhender cette personne et le mettre à hors état de nuire. Peuple de Guinée, la nouvelle du moment en exclut ici, que je vais donner aux autres médias traditionnels, oui. Pourquoi l'attaque osée de Vernie Pivi? Pour la simple et unique raison que Vernie Pivi est l'un des acteurs, oui, de l'attaque du palais Sékou Touré le 5 septembre 2021. C'est l'exclu de ce soir. Et l'autre qu'on cache, côté éléments des forces spéciales, il y aurait eu des dizaines de morts. En tout cas, côté des forces de défense et de sécurité, des dizaines de morts qu'on cache à la presse, qu'on cache aux populations. Maintenant, la toute dernière question que je veux te poser, parrain. Oui. Cette question, pourquoi as-tu fait le coup d'État en République de Guinée? Parce que la raison, la vraie raison, l'on est confus. Pourquoi as-tu fait coup d'État en Guinée? Est-ce pour diviser les Guinéens? Est-ce pour tuer les Guinéens? Est-ce pour aider la Guinée? Parce qu'avec cette allure, c'est vraiment très, très dangereux pour toi. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les cadavres dans ton tiroir ne fait que grossir, ne fait que remplir. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, assis-toi, fais les calculs de tous ces cadavres qui vont bientôt ou dépasser les milliers. As-tu fait le pouvoir? As-tu fait le coup d'État pour ça? Ou pour aider la Guinée? Ou pour diviser la Guinée? Voici les trois points de question que je pose
à cette transition de trouver solution. J'ai dit et redit bien et bien que nous ne sommes pas ennemis de cette transition. Nous sommes plutôt des gens qui aident cette transition à changer de braquette parce que les critiques et subjections que nous faisons matin, midi, soir doivent être un médicament. En tout cas, une ordonnance pour aller à la pharmacie, payer ces médicaments et prendre ces médicaments pour guérir la maladie, les maladies qui gangrènent au sein de cette transition. Aussi simple que ça. Il faut changer de braquette. Sinon, on parlera de toi dans le passé et dans le mauvais sens.